Alléluia. Le Dieu qui m'a parlé vous visite maintenant. Le Dieu qui m'a parlé pendant les 21 jours de jeûne te visite pendant que tu entends ma voix. Alléluia. Asseyez-vous. Restez là, groupe musical. Que Dieu te bénisse. Il est quitté dans son pays parce qu'il cherche Dieu. Alléluia. Il a sur son cou le drapeau de son pays. Vous savez ce que Dieu va faire ce soir? Dieu va faire ce soir que quand tu vas retourner dans ton pays, tous ceux qui te connaissent dans ton pays ne te reconnaîtront plus. Jesus. Alléluia. Je crois qu'il est venu le dernier jour de la retraite. Il venait pour la retraite. Malgré que les frontières terrestres étaient fermées, ce monsieur-là s'est battu. Il est rentré dans la brousse. Où ça? À Danané. Il est rentré dans la brousse, dans la forêt à Danané. Traversé jusqu'à il est venu ici. Alléluia. Ça veut dire que même si Dieu ne me parle pas, moi-même j'ai poussé Dieu à me parler. Que Dieu te bénisse. Lève-toi. Amen. Dites amen. Ce soir, je ne vais pas prophétiser ici ce qui s'est déjà passé. Hein? Je ne vais pas parler de votre passé, je vais parler de votre avenir. Alléluia. Je ne vais pas parler de ce que vous avez déjà vécu, de ce que vous savez déjà. Je vais parler de votre avenir, ce que vous ne savez pas. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. J'entends Kaba, Kaba, Kaba. Et je vois comme une protection au-dessus de ta tête, sur laquelle ils ont écrit Kaba. Hein? Kaba. C'est qui? C'est ton mentor sur le côté professionnel. C'est comme c'est ton boss. Hein? Monte, monte un peu. Thank you. 2021 est une année où je te vois s'aimer et moissonner le plus rapidement possible avant le temps de la moisson. Je suis en train de te voir produire des résultats, mais dans un record, dans un temps record très court. Tu comprends? Parce que Dieu me montre précisément que de l'huile est en train de couler sur ta tête. Et pendant que je vois l'huile qui coule sur ta tête, je vois comme une trompette. Et Dieu me dit qu'il y a une onction prophétique sur toi. Tu as un ministère prophétique, tu es serviteur de Dieu. Voilà. Tu as un ministère prophétique. Et pendant que je suis en train de parler, que je vois le ministère prophétique, parce que je vois une trompette au-dessus de ta tête, tu vois. Et pendant que je suis en train de parler, j'entends les gens en train de t'appeler Félix. Tu t'appelles Félix. Tu comprends? Et pendant que j'entends les gens en train de t'appeler Félix, mais je suis en train d'entendre des gens qui sont dans un cercle fermé, qui ne connaissent pas ce nom-là, mais j'entends ce nom-là, j'entends Gbagba. Hein? Ça. Et pendant que j'entends Gbagba, Dieu me montre derrière toi un homme. Et je vois comme cet homme-là travaille à ONU SIDA. Et pendant que je vois cet homme qui travaille à ONU SIDA, Dieu ouvre mes yeux. Je suis en train de voir comme ils ont écrit sur son badge Pascal. Et pendant que Dieu est en train de me montrer et que je vois qu'ils ont écrit sur son badge Pascal, je suis en train de voir un autre nom. Je vois Bonimi. Et je suis en train de voir. Après Bonimi, Dieu ouvre mes yeux. Je vois à côté de Pascal une femme. Tu vois, je vois Marie-Claire. C'est sa femme. C'est sa femme. Je vois Marie-Claire. Hein? Après Marie-Claire, je vois Marie-Claire Collier. C'est sa femme. Et Dieu ouvre mes yeux. Je vois entre le monsieur et sa femme un petit garçon. Et pendant que je suis en train de parler, my God. Boudou, boudou. Des prophètes, boudou, ça. Regarde, je vois un numéro de téléphone qui se promène ici. Vas-y. C'est un 07, il finit par 65. Il est en train de se promener. Un 07 qui finit par 65.
07 et à la fin c'est 65. 07 à la fin c'est 65. Je viens. Et pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir comme le petit garçon. Tu vois, le petit garçon là, il a porté un t-shirt sur lequel ils ont écrit Louis Marie. C'est son nom. Voilà. Et pendant que je vois qu'ils ont écrit Louis Marie, Dieu me transporte précisément dans un quartier. Et je suis en train de voir comme si dans le quartier là, je te vois à un pupitre, sur un pupitre. Mais à l'entrée du quartier, je demande à l'ange le nom du quartier et l'ange me montre une pancarte. Sur la pancarte, ils ont écrit Cancan. Ils ont écrit K-A-N-K-A-N. Cancan. Hein? C'est Cancan. C'est un quartier. Je vois un ministère là-bas. C'est une ville. Je vois un ministère là-bas. Il est en mission là-bas actuellement. Et pendant que je suis en train de parler, Dieu transporte mon esprit. Ah. J'arrive précisément maintenant dans la famille de la femme de ton frère. Yes. Parce que le monsieur et toi, vous êtes très liés. Vous êtes des grands amis. Justement. Je suis en train de voir précisément maintenant dans la famille de sa femme. Yes. Je vois une femme qui porte des lunettes. Oh. Hein? Une femme un peu âgée qui porte des lunettes. Et l'ange est en train de me montrer comme cette femme va avoir un cancer. Un cancer au niveau de son sein gauche. En ce moment, elle se plaint d'une boule qui est dans son sein gauche. Je suis en train de voir précisément. J'entre à l'hôpital avec elle. Et je suis en train de voir comme elle est entrée à la... My God. Je rentre à l'hôpital avec elle dans le bureau du médecin. Tu vois? Je vois sur un papier, sur la table, je vois un dossier. Sur le dossier, je vois précisément qu'ils ont écrit Françoise. La maman de la femme de ton frère là s'appelle Françoise. Hein? Et je vois Camara. C'est son nom. Voilà. Je suis en train de voir qu'elle elle va avoir un cancer au niveau de son sein gauche. Parce que là, en ce moment, il y a une boule dans le sein. Est-ce que tu vois? Mais Dieu, avant d'arriver, je vais terminer sur elle. Mais Dieu est en train de me montrer toi-même. Tu vois? Dieu est en train de me montrer toi-même. Il est en train de me montrer que tu as connu des difficultés. Et je vois des gens en train de te lapider. Et pendant que ces gens sont en train de te lapider, je te vois en pleurs. Et Dieu me dit que précisément vers la fin de l'année dernière, il est arrivé une chose dans ta ville où tout le monde a commencé à t'accuser injustement. Les gens ont commencé à t'abandonner. Tu as commencé à avoir des problèmes. Et tu as perdu ta sensibilité à la voix de l'esprit. Tu es venu ici pour que Dieu restaure tes dons. Mais ce soir, je vois une huile qui coule sur toi. Tout ce qui était mort en toi, tout ce que le diable avait été en toi, va se rallumer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que l'huile de la restauration arrive à toi maintenant. Que l'huile fraîche de la restauration arrive à toi. Que tes finances qui étaient mortes soient restaurées. Que ton travail qui était mort soit restauré. Que ta promotion qui était morte soit restaurée. Celui qui se tient debout, qui dit Amen trois fois, reçoit ça. Dieu, ce soir, va te faire retourner dans ton pays avec la même onction que sur moi. Thank you. Tu vas prophétiser comme je prophétise. Thank you. Tu vas voir comme je vois. Thank you. Avec toutes les précisions. Et Dieu va te bénir comme il m'a béni. Amen. Et tu seras le premier dans ton pays à me faire venir là-bas. Alléluia. Tu comprends? Je ne vais pas faire trop de cérémonies avec toi. Hein. Je vais juste prier pour toi avec l'huile. Les bouteilles d'huile que j'ai préparées. C'est les bouteilles d'huile que j'ai données aux gens qui ont fait la retraite avec nous. C'est de l'huile que moi-même j'ai préparée. Yes. Vous avez senti l'odeur de l'huile là? Tu as senti l'odeur?
Ça sent comment? L'odeur est très forte. Ce n'est pas huile d'olive. C'est huile d'onction. Alléluia. C'est avec ça que je vais prier pour toi. Quand je vais prier pour toi, un ange va te suivre. Tu comprends? Quand l'ange va te suivre, tu ne vas plus te fatiguer et forcer pour voir. Tu vas voir facilement. Comme je vois facilement. Tu comprends? Que Dieu te bénisse. Parce que tu es venu avec ce drapeau. Je suis prophète des nations, je parle sur ton pays. Ton pays connaîtra la stabilité quand tu y retourneras. Je parle sur ton pays. Ton pays va connaître la stabilité quand tu y retourneras. La Guinée va connaître une prospérité comme elle n'en a jamais connue à partir d'aujourd'hui. Je te parle de la part de Dieu. Alléluia. Dieu te bénisse et tes parents, son village. La mort va frapper ta famille, tu vois. J'ai demandé à tes parents, tu m'as dit son village parce que je suis dans un car avec toi. Dans la vision, je suis en train de partir avec ton village. Parce que je vois la mort frapper ta famille, je vois le deuil frapper. Et tu t'en vas pour les funérailles. Pendant que vous êtes en train de partir, je vois que vous dirigez vers l'ouest. C'est de l'ouest, précisément vers moi. Hein, Giglo, hein? Je suis en train de partir vers Giglo. Tu comprends? Et maintenant que j'arrive à l'entrée de Giglo, j'entends des femmes en train de parler. Et pendant qu'elles sont en train de parler, elles sont en train de prononcer un nom. J'entends Gay. C'est qui? C'est ton nom de famille. Et pendant qu'elles sont en train de prononcer le nom Gay, je suis en train de voir une vision dans laquelle je vois précisément une sorte de pièce d'identité. Et sur la pièce d'identité là, ils ont écrit Flavie. C'est qui? C'est toi? Après Flavie, je vois Rebecca. C'est toi. Hein? Maintenant que je vois Flavie et Rebecca, en bas je vois un numéro de téléphone qui commence par 02. Tu as un move. Il commence par 02 et finit par 82. Hein? Il y a 39 au milieu. Hein? 02, 39, c'est ça? 74. 82. Hein? C'est ça? Voilà. Et pendant que je suis en train de parler, que je vois le numéro, je viens. Quand j'ai vu le numéro ici, regarde, je t'ai vu habillé en tenue de l'armée. Hein? J'ai vu un petit garçon à côté de toi comme ça. J'entends les gens en train de l'appeler Messi. Hein? Où il est? Viens ici, petit. Et pendant que j'ai vu, ils sont en train de l'appeler Messi, je me retrouve précisément à une frontière avec toi. Et pendant que je suis à la frontière avec toi, Dieu ouvre mes yeux. Je vois précisément sur toi un bas. Tu le bas, ils ont écrit Omer. C'est ton nom. Et pendant que je suis en train de voir qu'ils ont écrit Omer, Dieu ouvre mes yeux maintenant. Je vois au-dessus du bas un numéro de matricule. Ton numéro de matricule finit à la lettre P. C'est ça. Je suis en train de voir encore une autre vision. Et pendant que je vois comme ton numéro de matricule commence par le chiffre 4, 412. Maintenant, je vois 575. C'est ton numéro de matricule de l'armée. Et pendant que je suis en train de parler, je vois une vision. Dans la vision, je vois un homme à côté de toi. Je vois comme cet homme. Les gens sont en train de l'appeler Bla, Bla, Bla. C'est un homme âgé. Hein? Hein? Tu le connais? Je suis en train de voir comme des gens sont en train de parler à Bla à ton propos. Ils sont en train de te salir. Des gens sont en train de te salir et dire des choses à Bla pour que Bla te déteste. Parce que je suis en train de voir comme c'est un monsieur qui t'aimait beaucoup. Ça va? Qui est Didier? C'est ton petit frère. Hein? Il a un 08-05. Hein? 0805-74-71. Qui dit Amen? Le Dieu des esprits des prophètes révèle les secrets. Ça va? Que Dieu te bénisse. Je vois un homme, un vieil homme, arrêté devant un tableau. Il y a des enfants derrière lui, il est en train d'écrire.
Et je vois un homme entrer dans la salle qu'il appelle Joseph. C'est qui? C'est ton père. Il était enseignant. D'accord. Mais je vois ton père avec une corbeille. Tu vois? Et pendant que je le vois avec la corbeille, je vois plein d'enfants qui ne sont pas ses enfants à qui il est en train de donner du pain. Et Dieu me dit qu'il y a du monde qui est passé chez vous. Hein? Ton père a fait du bien à beaucoup de gens. Mais je me retrouve précisément à Beauville. J'entends des gens en train de parler à Ben. Je vois une femme qui vient de là-bas. C'est ta maman. Hein? Voilà. Regarde. Pendant que tu as dit c'est ta maman, j'ai vu derrière toi un autre jeune homme qu'on appelle Désiré. C'est ton petit frère. Il fait quoi dans la vie? Il est instituteur. Parce que je le vois écrit aussi. Hein? Et pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir que la plupart des membres de ta famille sont positionnés en ce moment. Mais je vois précisément le drapeau du Sénégal. Hein? Tu as ton grand frère là-bas. Hein? Ton grand frère. Je vois qu'il a investi dans un truc à Abidjan ici qui est bloqué. Il a investi dans un truc à Abidjan ici qui est bloqué. Parce que je le vois avoir un contact avec un homme du pouvoir qui était passé. Un ex-ministre. Hein? Ah, le baba. Mon père, mon père. Alléluia. Hey, écoute. Je vois une corde qui quitte dans ton bras pour aller dans le bras de la fille qui a le téléphone qui est là-bas. Bien. C'est ton mari. Hein? Où est Sephora? Bien. Je vous ai dit des choses compliquées à laisser passer ici aujourd'hui. Ton frère qui est au Sénégal, ils vont lui lancer un sort. Ça va se manifester sous forme de diabète. Mais ça ne sera pas le diabète. C'est en sorcellerie. Côté de votre maman là-bas. C'est là-bas qu'ils vont lui lancer le sort. Hein? Mais parmi tes frères là, il y a un qui a donné le nom Didier à son nom. C'est qui? C'est Désiré. Voilà. Eh bien. Il a donné son nom là en l'honneur de son propre frère. C'est ça, non? Eh bien. Il y a un problème. Vous aimez ça? Maman, il aime ça. Madame au fond là-bas, ça va? Je vois un pasteur à côté de toi. Hein? C'est qui? Non, c'est toi. Hey. Et dès que tu es tellement loin. Regarde. Les gens veulent t'empoisonner. Les gens veulent t'empoisonner. Ils sont trois. Ils sont trois. Mais je suis à un endroit. Et pendant que je suis dans l'endroit là, j'entends des gens en train de prononcer le nom du lieu. Je ne sais pas si c'est Assuéferi ou bien quoi. Hein? Assuéferi. Hein? C'est là-bas. C'est là-bas que tu travailles. Hein? Mais je suis en train de voir qu'ils vont t'enlever là-bas. Ma fille, il ne faut pas t'inquiéter. Hein? Dieu me dit de te dire qu'il va t'étonner. Il m'a dit de te dire faut plus pleurer. Lève-toi. Faut plus pleurer. Faut plus avoir pleuré. Hein? Vous croyez que je suis un prophète? Non? Bon, même si vous ne croyez pas, moi-même je sais. Elle souffre. Mais Dieu va là. Dieu va secouer votre situation. Il y a une bonne nouvelle qui est en train de venir vers vous. Et je ne parle pas pour parler. Je dis qu'il y a une bonne nouvelle qui est en train de, venir vers vous. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fortement le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer très fortement le roi, le Seigneur Dieu? Est-ce que tout le monde peut se tenir debout et acclamer très puissamment le Seigneur Dieu de l'univers? Soit sur vous. Vous allez prendre vos Bibles en Genèse le chapitre 4. Je ne peux rester différent. Voyons tes bienfaits.
je ne peux rester indifférent. Moi je veux louer Jésus. 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 Jésus, je veux louer Jésus. Je veux chanter Jésus. Il est ma lumière, ma raison de vivre. Depuis que je l'ai connu, il a changé ma vie. Je veux le chanter, Jésus. Je veux le chanter, Jésus. Il est ma lumière, Jésus. Ma raison de vie. Jésus. Depuis que je l'ai connu, Jésus. Il a changé ma vie. Jésus. Je veux le chanter, Jésus. Je veux le chanter, Jésus. Il est ma lumière, Jésus. Ma raison de vie. Jésus. Depuis que je l'ai connu, Jésus. Il a changé ma vie. Jésus, oh, c'est mon Dieu. Oh. Jésus, oh, c'est mon Dieu. Jésus, oh, c'est mon Dieu. Qui a dit amen? Je veux chanter le merveilleux nom de Jéhovah. Jéhovah, 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 Jéhovah. Je veux chanter le merveilleux nom de Jéhovah. Jéhovah, Jéhovah, Jéhovah. Je veux chanter. Je veux chanter le merveilleux nom de Jéhovah.
Chapitre 4, le verset 1. Dieu de venir te parler au travers de sa parole ce soir. Prie le Seigneur.
1. Quelqu'un pour me faire la lecture, est-ce que mon interprète peut venir m'aider? Je fais la lecture. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel et fut son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Et il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et l'Éternel dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face et je serai errant et vagabond sur la terre. Quiconque me trouvera me tuera. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé cette fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tua point. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod vers l'Orient d'Éden. Caïn connut sa femme et elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Enoch engendra Irad, Irad engendra Métushaël, Métushaël engendra Matushaël, Mehujaël, pardon. Et il engendra Matushaël, Matushaël engendra Lémec. Lémec prit deux femmes. Le nom de l'une était Ada et l'autre était Sila. Ada engendra Jabal
Il fut le père de ceux qui habitent sous les tentes près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal. Et le père de tous ceux qui jouaient, il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Sila de son côté enfantera Tubal-Caïn, qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. La sœur de Tubal-Caïn était Naama. Lémec dit à ses femmes, Ada et Sila, écoutez ma voix. Femme de Lémec, écoutez la parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois et Lémec 77 fois. Adam connut encore sa femme et elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils et il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Que ceux qui aiment la parole acclament la parole et s'asseyent, s'il vous plaît. Veuillez tous vous asseoir. Et veuillez me prêter toute votre attention. Alléluia. Pour ceux qui font le culte avec nous pour la toute première fois, International Prophetic City vous dit bonne arrivée. Que Dieu vous bénisse. Soyez tous et toutes les bienvenus dans notre chapelle. Ce soir, nous parlerons d'un thème spécial. J'avais pas l'intention de prêcher ce thème-là. Parce que chaque fois que je veux prêcher ce thème, j'ai toujours des problèmes. Because each time I want to preach it, I have problems. Et c'est un thème, quand je veux l'aborder, il faut que je me retrouve dans certaines expositions. And when I want to speak about it, I have to be onto some. Et comme durant toute la semaine, j'étais dans plein de courses. And the whole week I was in the shop. Alléluia. Alléluia. Toute la semaine, j'étais dans beaucoup de courses. I was in many shops. J'ai pas eu le temps de prendre mes dispositions. C'est hier. Only yesterday. J'étais au bureau. I was in my office. Je devais recevoir 2 ou 3 personnes. I had to receive 2 or 3 persons. Quand j'ai fini de recevoir, and when I finished receiving them, je suis rentré à la maison, je me suis couché. Quand j'ai fermé mes yeux, and when I closed my eyes, mon esprit s'est retrouvé sous l'eau. My spirit wandered under the waters. Et pendant que j'étais sous l'eau, and while I was on the waters, je me suis retrouvé dans un endroit où c'était comme une usine. I was found in a kitchen. Une usine de fabrication. In a fabrics. Mais la particularité de cette usine, but the particularity of this fabric, est que is that à l'intérieur on ne fabriquait pas des choses inside we were not manufacturing things, des choses commerciales, things that are to be ou des choses said, comestibles, or that are to be eaten. Mais à l'intérieur on fabriquait des saisons, but inside was made season, des temps, was made tense. Et les temps qui devaient arriver dans le monde, and the time that had to come in the world, les modes, the fashion, les nouvelles technologies, the new technologies. Et quand j'ai vu, quand j'étais dans cet environnement, and when I was in this, j'ai vu les voitures du futur, I saw the cars, les téléphones portables du futur, and I saw the mobile, j'ai the vu future, les tenues vestimentaires du futur, and I saw the clothes of the future. Ils étaient en train de fabriquer tout ça. They were making all this. La mode, la prochaine mode, the next fashion, les prochains parfums, the next perfume. Ils étaient en train de fabriquer tout they ça. They were making it. Et je me suis demandé à moi-même, and I asked myself, qu'est-ce que je fais ici? What am I doing here? Et le Saint-Esprit m'a dit, and the Holy Spirit told me, tu es ici. You are here. Pour comprendre comment le royaume des ténèbres travaille. To understand how the work of darkness works. Je ne suis pas en train de dire, I'm not telling, en prêchant cela, je ne suis pas en train de dire, preaching it, I'm not telling, que tout ce que vous portez comme vêtements et tout ce que vous mettez comme parfum vient de l'eau. That all what you bear as clothes and all what je suis you eat également en train de vous dire, I'm equally telling you, que la plupart des structures qui détiennent la mode dans le monde, that most of the structures, the facilities of fashion, are not Christian. C'est des inspirations, they are inspirations qui viennent d'un monde très profond, that come from a deeper world. Alléluia. 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 Dites amen. Say amen. Ils étaient en train de fabriquer et confectionner des temps difficiles. They were manufacturing difficult times. Alléluia. Alléluia. Et quand je suis quitté là, when I left, Dieu m'a emmené quelque part. God sent me somewhere else.
dans un endroit vaste. In a large place. Il n'y avait pas d'herbe. There were no grass. Il n'y avait pas d'arbre. There were no trees. Il n'y avait personne. And nobody. Il n'y avait pas d'eau. No water. Et j'ai vu des saints assemblés. And I saw people gathering together. En train de faire une réunion. And having a meeting. Il y avait juste un petit feu allumé. Just a small fire. Et j'ai assisté à la réunion. And I attended this meeting. Et le Saint-Esprit m'a dit, tu vois, and the Holy Spirit told me, you see, voilà comment la sorcellerie travaille. This is how the witchcraft works. Demain tu parleras de la sorcellerie. And tomorrow you shall talk about witchcraft. Voilà pourquoi quand je me suis réveillé, that is why when I woke up, ceux qui ont reçu le visuel, ceux qui ont vu le visuel sur les réseaux sociaux, ils l'ont vu très tard. On a publié le visuel à 23h52 minutes. Around 11:52 minutes. Alléluia. Alléluia. Parce que c'est à la dernière minute que j'ai dû contacter un infographiste pour lui dire qu'il faut faire l'affiche. Because it is at the last minute that I called. Parce que Dieu venait de me parler. Because God has spoken unto me. Dites amen. Say amen. Dites amen. Say amen. On dit et on a l'habitude de dire tous les jours. We say and you used to say every day. Que la police. That the police. N'est pas un corps militaire. Is not a soldier. La police. Police n'est pas un corps militaire. Is not a soldier. Donc pas un corps d'élite. So not an élite. C'est un corps civil. So it is civil. C'est ce qu'on dit. Is what you say. Et c'est ce qui est vrai. And what is true. Parce que la police, you know, the police est le corps qui est dans le quotidien de la population. It is the corps in the population. La police, but the police est le corps qui est en contact avec les populations. That is in contact with the people. C'est le corps qui règle les problèmes courants de la population. That is the corps that solves. C'est le corps qui régule la situation, qui c'est le premier corps. Le premier corps qui essaie d'instaurer la sécurité autour de la population. That try to regulate the traffic and ensure security. C'est le premier corps qui met de l'ordre that make order dans la ville. In the city. Donc c'est un corps humain. So it is a human corps. Dites amen. Say amen. Dites amen. Say amen. Pourquoi c'est un corps humain? Parce que c'est un corps qui va au contact avec la population. Why is it human body? Because it goes with the population. Il en est de même pour l'esprit de la sorcellerie. The same way with the spirit of witchcraft. La sorcellerie n'est pas un esprit. Un sorcier n'est pas un super spirituel. Witchcraft is not a spirit or a wizard is not a super spiritual. La sorcellerie. Witchcraft. Alléluia. Alléluia. Représente ce que la police représente dans la ville. Represent what the police represent in the city. C'est l'esprit le plus présent dans nos mœurs. Is it the most present spirit dans nos familles. In our life, in our family. C'est l'esprit qui intervient dans tous les petits détails de nos quotidiens. That intervene in our daily life. Il intervient dans les écoles de nos enfants. It intervene in au marché. Schools, in market, à la maison. At home. Il intervient dans les disputes. It intervene in crowds. C'est l'esprit qui est beaucoup plus proche des populations. The spirit that is closer. Il est beaucoup plus en contact avec les hommes. More in contact with the people. Parce que l'esprit de la sorcellerie. Because the spirit of witchcraft. Est un esprit qui représente une partie du royaume spirituel. It's the spirit that represents a part of the spiritual kingdom. Voilà pourquoi demander à n'importe quel ésotérique. That is why ask any esoteric. Elle va vous dire. He will tell you. Que dans la classification. That in the classification. Les sorciers sont les derniers. The witches are the bottom. Si on veut parler. If you want to talk. De doctorat. About PhD, les sorciers sont encore à la maternelle. They are just in the school garden. Alléluia. Alléluia. Un magicien. And a magic man. Est encore plus élevé qu'un sorcier. Is more lifted up than a wizard. Un magicien. A magic man. Opère encore plus haut que le sorcier. Operate higher than the wizard. C'est vrai que les deux opèrent dans la même dimension. He operates in the same dimension. Les deux opèrent dans la même dimension parce que partout dans la Bible on mentionne le sorcier. Both operate in another dimension. On mentionne le magicien. We mention also a magic man. Mais si on veut faire une classification, but if you want to classify, les deux ne sont pas au même pied d'égalité. Both are not equal. Un magicien, the magic man, est encore plus élevé, is more high qu'un sorcier, than a wizard. Et après les magiciens, and after the magic man, on parle maintenant des illuminés. We now talk about illuminati. Et quand on commence à entrer parmi les illuminés, and when we are inside illuminati, on parle de la rose croix. Then we talk about il y a the deux types cross. De rose croix. Talk about the rose et la rose croix amont. And the rose cross. Et puis la rose croix elle-même. It is itself. Après la rose croix, and after the rose cross, il y a la franc-maçonnerie. There is freemasonry. Et dans la franc-maçonnerie, in freemasonry, il y a encore deux dimensions. There is also two après dimensions. La franc-maçonnerie, the freemasonry, il y a les illuminés.
Illuminati. There is Illuminati. Dans les Illuminati, il y a quatre dimensions. There are four dimensions. Alléluia. Alléluia. Mais aujourd'hui, je ne suis pas venu parler de tout cela. But today I didn't come to talk about all this. Je suis venu parler des sorciers. I have come to talk about the witches. Le thème de ce soir and the theme of tonight s'intitule is comment how être désenvoûté be uncursed des œuvres de la sorcellerie. From the works of witchcraft. Le mot sorcellerie and the word witchcraft est un mot que nous prononçons le plus souvent. Is a word that we pronounce very often. Alléluia. Alléluia. Mais avant d'arriver dans le vif du sujet, même dans mon introduction, but before coming in my topic, in my introduction, je veux juste ouvrir une très grande lucarne. I would like just to open a et c'est une lucarne qui est très importante. And this bracket is very important. Vous devez tous savoir ici you need all to know here que le monde dans lequel nous vivons that the world in which we live est la conséquence is the consequence d'un monde qui est superposé au-dessus du nôtre. From a world that is upper. Le monde dans lequel nous vivons the world where we live est le produit. Is a product. Tout ce qui se passe dans ce monde everything that goes est la conséquence is a consequence et le résultat and the result de ce qui s'est fait dans un monde superposé au-dessus du nôtre. Of what is done in a separate world. Mais l'autre monde qui est au-dessus de notre monde the other world above est tellement subtil. Is so subtle. Il cache tellement de mystères it hides so many mysteries que beaucoup d'entre vous croient many among you believe que tout est normal. That all, everything is normal. Alors que nous vivons dans un monde qui n'est pas normal. But we live in a world that is not normal. Un monde qui n'est pas normal. A world that is not normal. Déjà de par son mouvement. And by its movement. De par ses différents mouvements. By the different movements. Et de par tous les mouvements qu'il y a autour de notre planète. And all the movements around our planet. Vous devez juste comprendre que notre monde n'est pas normal. Just to know that our world is not normal. Des deux mouvements, rotation et révolution. Vous devez juste comprendre que le monde n'est pas normal. From the both revolving. On dit que le monde tourne. You say that the world on dit que revolves. C'est un globe. It is a globe. Il tourne sur lui-même. He revolves et en même temps, itself. Il tourne autour du soleil. And when you revolve around the sun, personne n'a jamais senti le monde bouger. And no one feel it. Personne n'a jamais senti le monde bouger. No one feel the world move. C'est tout à l'heure fou. If in a short while you, on vous met sur une boule you are above ou à l'intérieur d'une boule or into a ball. Et que cette boule commence à tourner. This ball start turning vous allez sentir un mouvement. You feel a movement. Personne n'a jamais senti le mouvement. And nobody feel about it. Dites amen. Say amen. Alléluia. Alléluia. C'est juste pour vous dire que le monde est bizarre. It's just to tell you that the world is strange. Alléluia. Alléluia. Derrière tout ce qui est physique. And behind everything that is physical. Derrière tout ce qui est palpable. Everything that is tangible. Derrière tout ce qui est tangible. Everything that is derrière physical. Tout ce qu'on peut toucher. Everything that we can touch. Il se cache ce qu'on ne peut pas toucher. It's hidden what we can mais touch. Qui est vraiment réel. But that is real. Beaucoup d'entre vous croient qu'ils sont ici. Among you believe that they are here parce qu'ils ont vu l'affiche because they saw ou parce the plans, qu'ils ont été appelés or because they were ou parce called, qu'ils ont été convoqués or because they were convocated. Alors que beaucoup comme vous but many like you ont souhaité être là ce soir wanted to be here tonight, mais ils ne sont pas là but they are not. Vous pensez que c'est le fruit des hasards do you think that it is hazard? Le fait que vous soyez là ce soir the fact to be here est dû au fait que derrière notre monde is that behind our world, dans l'autre monde in the other world, il y a eu un mécanisme there is a mechanism, il y a eu une disposition de pièces de puzzle, of puzzle piece, pour que vous soyez là for you to be here. Sinon if tu pouvais te retrouver dans un embouteillage jusqu'à 7 heures. You can be found in a traffic jam. Donc il y a toujours un mouvement dans le monde spirituel so there is always a movement qui concourt à t'emmener vers une destination. That work for your own destination. Voilà pourquoi Saül pensait qu'il partait devant Samuel parce qu'il avait perdu les ânes. That is why Saul think that he was ça c'est dans la tête de Saül. This was in c'est his ce qui s'est passé sous les yeux de Saül. What happened before his eyes? Mais ce qui ne s'est pas passé sous les yeux de Saül à la veille. At the eve. Dieu avait parlé de Saül à Samuel. God spoke about Saul to Samuel. Et Dieu était censé emmener Saül devant Samuel. And God was about mais to comment send emmener Saül devant Samuel? But how to send il faut trouver un prétexte. It means et le prétexte que Dieu a trouvé pour envoyer Saül devant Samuel, the pretext that God c'est de faire perdre les ânes. Is to lose quand, Dieu the veut, quand Dieu veut donner rendez-vous avec destinée, so when God has a date et il vous fait perdre une chose importante. He make you to lose si tu as perdu quelque chose dans ta vie, c'est parce que tonight. Tu es en train de prendre rendez-vous avec ta destinée. Donc quelqu'un n'a pas compris ce que je viens de dire. Je dis que si tu as perdu une chose essentielle, c'est parce que Dieu est en train de prendre rendez-vous avec ta destinée. Si tu dis amen ce soir,
tu rencontreras ta destinée. If you say amen, you win your destiny. Alléluia. Alléluia. Dis amen. Say amen. Dis amen. Say amen. Monsieur. Please. Monsieur. Please. Ça va? Are you okay? Vous partez. Are you going? D'accord. Vous allez chauffer tout à l'heure. Dis amen. Say amen. Et vous devez savoir que and you need to know that il se cache derrière notre monde. Things that are hidden behind il our world. Il se cache derrière le foie. Hidden behind the veil. Un monde spirituel. A spiritual world. Et le monde spirituel. And the spiritual world. Est le monde le plus merveilleux. Is the most marvelous. Qui puisse exister. That can be existed. C'est un monde. It is a world. Dans lequel il n'y a pas de moitié. In which there is no half. Il n'y a pas de demi-mesure. There is no half measure. Il n'y a pas d'à peu près. There is no shortcut. C'est un monde dans lequel a world where il n'y a pas de légèreté. There is no légèreté. C'est un monde de cause, a world of cause et d'effet. And effect. Tu poses une action, you have an action. Ça provoque une réaction. It provocates c'est a comme reaction. Ça le monde spirituel est. This is how the spiritual world works. Voilà pourquoi Jésus a dit that is why Jesus Christ said, tout ce que vous lirez sur la terre everything you shall bound sera on the lié earth dans les cieux. Shall be bound in the les cieux en question, and the heaven here, il parlait des régions supérieures you were talking about qu'on appelle le monde spirituel. That we call the spiritual world. Donc, le monde spirituel, so the spiritual world, il réagit des fois we act en fonction des actions, according to your actions que vous posez sur la terre, that you do on earth, en fonction des œuvres according to your words, que vous faites sur la terre, that you do on earth. Voilà pourquoi that is why les profanes appellent ça the prophet called le karma. The karma. Alléluia. Alléluia. Dites amen. Say amen. Mais si je veux me mettre à parler du monde spirituel, if I want to talk about the spiritual world, nous allons faire 3 ans ici we shall make free sans years. Que vous ne puissiez comprendre la moindre chose. Without you to know the least. Parce que c'est un monde infini. Because it is an infinite world. C'est le monde des esprits. The world of spirits. Dis le monde des esprits. Say the world of spirits. Dis le plus fort, le monde des esprits. Say louder, the world of spirits. Alléluia. Alléluia. Parlons maintenant de la sorcellerie. Let's talk about witchcraft. La définition basique de la sorcellerie. The basic definition of witchcraft. La sorcellerie. Witchcraft. C'est l'art. Is the art. De deux choses. Of two things. D'avoir une mauvaise pensée pour autrui. To have a bad thought about the et d'avoir de mauvaises intentions pour cette personne. To have bad intentions toward this voilà person. La définition basique. Behold, the basic definition de la sorcellerie. Of witchcraft. Dites amen. Say amen. Dites amen. Say amen. J'ai parlé en français. I told you. Je n'ai pas dit que la sorcellerie. I didn't say that witchcraft. C'est avoir une mauvaise pensée pour is quelqu'un. To have a bad thought. C'est pas ce que j'ai dit. What j'ai dit c'est là. I say it is art. Donc c'est tout un art. So it is an quand art. On parle d'art, when you talk about art, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. There are so many things. Quand on parle d'art, when you talk about art, on parle de génie. We talk about genius. Quand on parle d'art, when you talk about art, on parle de manière. We talk about the way. Quand on parle d'art, when you talk about art, on parle d'habilité. We talk about ability. Donc c'est quelqu'un qui est habile à avoir une mauvaise pensée. So it's one that is skilled to have a bad thought. De mauvaises intentions. Or bad intentions. Donc du moment que tu es habile so as you are pour avoir de mauvaises pensées, to have bad thoughts. Du moment que tu pratiques l'art as you practice de préméditer le mal contre quelqu'un, to continue the earth, tu commences à pratiquer la sorcellerie au plus bas degré. Doing witchcraft. Alléluia. Alléluia. On ne naît pas sorcier. We are not born. Ça peut arriver qu'on naisse sorcier. Sometimes you are born. Mais généralement, on ne naît pas sorcier. But generally, you were not born. On ne naît pas méchant. You cannot born. Dis amen. Say amen. On devient méchant. We become wicked. Ou on devient sorcier. Or we become witch. Et pour devenir sorcier, and to become a witch, il y a plusieurs fois et plusieurs moyens. There are two. Mais ce soir, je vais parler de deux ou trois moyens. I'm going to talk about two means. Dites amen. Say amen. Dites amen. Say amen. La Bible dit the Bible says que Jésus avait prié pour tous ses disciples. That Jesus Christ prayed for écoute all très bien ce que je vais te dire maintenant. Jésus a prié toute une nuit pour ses disciples. For his disciples. La Bible dit qu'il pria toute la nuit pour choisir ses 12. The Bible says that he prayed all night to choose pour choisir ses disciples.
choose the disciples. Il a fait une veillée de prière. He had a night all virgin. Écoute bien ce que je vais te dire. And look at, and listen to Jésus a fait une veillée de prière. He had a night all virgin. Toute la nuit pour avoir 12 personnes autour de lui. The whole night to have pour ne même pas se tromper dans ses choix. Not to deceive Mais malgré sa veillée de prière, la Bible dit qu'il y avait un démon dedans. There was a demon bon, et toi qui ne pries pas pour ceux qui t'entourent. But you don't pray for those toi qui ne prie pas pour tes amis. You don't pray for your toi qui ne prie pas pour choisir tes amis. You don't pray to choose your toi friend. Qui ne prie pas pour que tu, Dieu ouvre tes yeux sur ceux qui sont autour de toi. You don't pray for God to open your Imagine-toi, il y a combien de démons autour de toi. How many demons Jésus a prié toute la nuit. He prayed the whole Mais parmi les 12, il y avait un But démon. Among the 12, there was Mais Judas n'était pas un démon en réalité. Judas was not a demon. Mais un peu plus loin dans le livre de Matthieu, But five book of Matthew, la Bible dit the Bible says, et Judas fut trouvé favorable and Judas was et Satan s'empara de lui. And Satan took his le mot favorable ici peut illustrer une porte spirituelle. On ne devient pas sorcier. We don't become a witch. Mais nos aptitudes et nos attitudes Our attitude and behavior peuvent constituer des portes pour que nous soyons possédés d'un esprit humain de sorcellerie. For us to be possessed by the human spirit of witchcraft. Qui dit Amen? Who say Amen? Qui dit Amen? Who say Amen? Je me demande si je pourrais finir d'enseigner ce message-là. I ask myself if I can finish. Il y a trop de choses à dire sur ce petit truc-là. So many things to say about la sorcellerie. Witchcraft. Dans le texte que nous venons de lire, in the passage we just read, Adam et Ève avaient péché. Adam and Eve have sinned. Et la terre avait été maudite. And the earth was cursed. Dites Amen. Say Amen. Non, tout le monde n'a pas dit Amen. Dis Amen. Everybody didn't say Amen. La terre avait été maudite. The earth was cursed. Et après ça, and after that, la Bible dit qu'Adam et Ève furent chassés loin du jardin d'Éden. The Bible says that we chased far from the garden of Eden. Ils s'accouplent. And et ils donnent naissance à deux fils. They have sex and have two sons. Alléluia. Alléluia. Il y a une polémique théologique autour de la naissance de Caïn et d'Abel. There is a polemic Mais c'est around, une chose dans laquelle je ne vais pas entrer. But I want to get into inside. Parce que à la différence de beaucoup de personnes qui prêchent, moi je lis les textes des originaux. Because differentiating to many people who preach, Caïn et Abel sont frères jumeaux. Cain and Abel are twin brothers. Alléluia. Alléluia. Ils sont frères jumeaux. They were twin brothers. Et une chose a ouvert la porte de la sorcellerie dans le cœur de Caïn. But one thing opened the door of witchcraft. Suivez très bien. Follow me carefully. Quand Eve a enfanté Caïn, when Eve begotten Cain, Eve n'a pas dit j'ai enfanté un enfant. She didn't say I begot a son. Eve dit, she said, j'ai formé un homme. I form a man. Donc Eve ne voyait pas Caïn comme un enfant. So she didn't see Cain as a child. Elle le voyait comme un homme mûr. She saw him as Elle a dit, j'ai formé un homme. Je n'ai pas formé un enfant. She said, I formed a man, not a child. Donc, Eve a considéré Caïn comme un homme. So she considered Cain like a man. Mais pourquoi la Bible attire-t-elle notre attention sur le fait que Eve voit Caïn comme un homme? But why did the Bible attract our attention on the fact C'était that she juste pour nous montrer la nature de l'amour qu'elle avait pour son fils. Just to show us the nature of the love she had for herself. Eve aimait son fils comme une femme aime un homme. She so loved her son like a voilà woman pourquoi loved elle dit j'ai conçu un homme. That is why she said I begot him. Aucune femme ne conçoit un homme. No woman. Toutes les femmes conçoivent un enfant. All the women. Un bébé. Mais Eve, elle voit Caïn bien qu'il soit bébé comme un homme. But she saw him like a man. Donc sans limite. So without any limit. Elle a montré tout son amour à Caïn. She showed all the love to Cain. Mais quand Abel est né. But when Abel came to birth, Eve n'a rien dit sur Abel. She didn't say anything about Abel. Elle n'a rien dit sur Abel. She didn't say anything about Abel. Donc comprenez que Caïn était un enfant gâté. So understand that he un was, enfant à qui on en donnait tout. He was a spoiled child. Un enfant à qui tout était permis. To whom that everything was permitted. Un enfant à qui tout était accordé. Everything was given. Mais Caïn, et pardon Abel, But Abel était un enfant was a child marginalisé. That was marginalized. Regardez, la Bible dit, elle enfanta aussi Abel. C'est tout ce qu'on dit.
And the Bible says that she began to On dit rien de plus sur Abel. They didn't say anything about Abel. Donc Abel n'avait aucune valeur devant eux. So he had no valor before him. Et l'une des raisons principales pour lesquelles Dieu a agréé l'offrande d'Abel. And one of the main reasons for God to. Ce n'est pas parce que Abel a donné les premiers. Not because he gave his first fruits. C'est vrai, les premiers, c'est aussi l'une des raisons. It's true that he was also. Mais la raison fondamentale. But the fundamental reason. C'est parce que Dieu a vu. God que Abel n'était pas aimé. Remarquez bien le verset. Ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas d'abord l'offrande d'Abel. La Bible dit l'Éternel porta un regard favorable sur Abel d'abord. Et ensuite sur son offrande. Donc ce n'est pas l'offrande qui intéresse Dieu. C'est l'homme, c'est la personne elle-même qui intéresse d'abord Dieu. But the person of Abel that dit Amen. Say Amen. Mais pourquoi c'est la personne qui intéresse Dieu? But why the person interests God? Parce que Dieu a constaté qu'au-delà de l'offrande, la personne n'est pas aimée. Because God noted that beyond the offering, Dieu a constaté que l'enfant n'est pas aimé. He noted that the child was Laissez-moi vous dire une chose. Let me tell you one thing. Si les hommes ne vous aiment pas, if people don't love you, si les hommes vous réservent, if people reject you, si personne ne croit en vous, if nobody believes, si personne ne vous voit comme un homme, if nobody see you like si on vous voit toujours comme des choses, if they see you like parce qu'on voyait Abel comme une chose, because they saw Abel like a si thing. Les hommes ne vous voient pas comme quelqu'un d'important, if people don't see you like a very important Laissez-moi vous dire une chose. Let me tell you one Dieu portera un regard favorable sur God vous. Shall have a favor glance on you. Dieu portera un regard favorable sur vous. He shall have a favor glance upon you. Dites Amen. Say Amen. Dis Amen. Say Amen. Et donc Dieu porte un regard favorable sur Abel. So he had a favor glance upon Abel. Dis Amen. Say Amen. La deuxième raison. And the second reason. Pour laquelle Dieu a porté un regard favorable sur Abel. God to favor Abel. C'est que Abel est un berger. Is that Abel was a shepherd. C'est juste sa fonction. Just his function. C'est juste la fonction. Just the function. C'est à cause de la fonction. Because of the function. Que Dieu a porté un regard sur Abel. That God has a favor glance. Dieu travaille avec les hommes de vision. God works with the men of vision. Les bergers ont toujours la tête levée. Shepherds are always. Les bergers ont toujours les regards plongés vers l'horizon. They have a glance onto the horizon. Les bergers ont toujours les regards plongés en profondeur. The shepherd look deep. C'est des hommes de vision. They are men of vision. C'est des hommes dont la vision est perçante. They are men of the vision. C'est des hommes qui ne voient pas le bout de leur nez. They don't see. C'est des gens qui voient au-dessus du voile. They see above the veil. Dieu ne compose pas avec les gens qui vivent dans le présent. God doesn't compose with both. Avec les gens qui jugent seulement que le présent. People judge. Avec les gens qui s'affectionnent des choses d'en bas. Affectionate the thing of the earth. La différence entre Caïn et Abel, c'est que Caïn était laboureur. The difference that La position des laboureurs, c'est la face contre la terre. The position of the tiller, il n'a pas le temps de lever les yeux. He doesn't have time to lift up. Dieu ne marche pas avec les gens qui ne lèvent pas les yeux. God doesn't walk with people. Pour qu'Abraham possède la terre, Dieu lui a dit lève les yeux. For Abraham to possess le lieu que tu vois, je te le donnerai en possession. The place that you see, si vous n'êtes pas des hommes et des femmes de vision, vous ne pourrez rien posséder dans la vie. You are not men and man of vision. Abel était un homme de vision, voilà pourquoi Dieu a agréé son offrande. Abel was a man of vision. Dieu a agréé les offrandes de ceux qui se projettent dans le futur. Only for the project onto the Comment future. Tu te vois dans le futur? How do you see yourself Comment tu te vois dans 10 ans? How do you see yourself Comment tu te vois dans 15 ans? In en fonction de comment tu te vois, tu prends tes dispositions. Un homme qui veut être chef d'étape dans 20 ans, il saura comment se comporter aujourd'hui. Sois un homme de vision. Dis Amen que je continue. Et quand Dieu va agréer l'offrande d'Abel, et qu'il ne va pas agréer l'offrande de Caïn, la Bible dit. Que le visage de Caïn sera abattu. Écoute très bien ça. J'entre maintenant dans mon introduction. Le visage de Caïn sera abattu. Est-ce que vous savez pourquoi le visage de Caïn était abattu? Parce que d'entrée, je vous ai dit que Caïn était un enfant à qui on ne refusait jamais rien. C'était la toute première fois qu'on refuse quelque chose à Caïn. C'était la toute première fois qu'on refuse quelque chose à Caïn. The first time they refuse him something. Un enfant à qui vous donnez tout. A
C'est un danger pour son éducation. J'ouvre la parenthèse pour parler aux parents. Open bracket to speak to the parents. À un moment, apprenez à dire non à vos enfants. Sometimes, no, quand cela n'est pas nécessaire. It is not quand cela n'est pas constructif. When it is not quand cela ne peut pas participer à leur croissance. When it cannot add quand to cela ne peut pas participer à leur éducation. It cannot add to the education. À des moments, apprenez à refuser des choses à vos enfants. Sometimes, learn how to quand refuse je lui refuse, il pleure. Il n'a qu'à pleurer. Let him cry. La chose qui a engendré la sorcellerie dans le monde, what began witchcraft in the world, c'est un homme à qui on n'avait jamais rien refusé. He is a man to whom we never le jour où on lui a refusé cette chose, la sorcellerie a commencé. The day they refused him, witchcraft parce que quand on lui a refusé ça, and because they refused him, Caïn a eu mal au cœur. He had a heartbreak. Et le mal and this heartbreak a suscité dans son cœur la jalousie. Et la jalousie and jealousy a suscité la haine. It rose et la haine a suscité l'envie. Et l'envie a suscité l'hypocrisie. La Bible dit, and the Bible says, comme ils étaient dans les champs, as they were in the field, comme ils étaient dans les champs, as they were in the field, Caïn parla à son frère. Caïn speak to his brother. Dans la version semeur, in the version of the semeur, dans la version lui second, il parla à son frère. They say it speak to je his crois brother. Que pendant la première vague de la COVID, j'avais enseigné un peu sur ce message. I talked about this message. Dans la version semeur, on dit que Caïn parla d'une manière à son frère. They say he spoke in a ça veut dire quoi? What does it mean? Ça veut dire que Caïn it means that Caïn a parlé avec hypocrisie à Abel. Spoke with hypocrisy. Et la Bible dit comme ils étaient dans les champs. And wide away in the field. Écoute très bien. Listen carefully. Les champs. The field. Ce n'est pas le lieu de travail d'Abel. Not the place of Abel work. Abel est un berger. He was a shepherd. Un berger ne se retrouve pas dans les champs. A shepherd was not found in the qui field. Qui a emmené Abel dans les champs? Who brought a body? Qui a l'habitude de travailler dans les champs? Who used to work in the field? Qui a l'habitude de travailler dans les champs? Who used to work in the field? C'est Caïn. It was Caïn. Donc quand les deux se retrouvent dans les champs, so when they were both found in qui a trimballé qui dans les champs? Who c'est Caïn qui a trimballé Abel dans les champs. It was Caïn. C'est là qu'est né le principe de l'invocation des âmes. Caïn était en train d'ouvrir la porte à l'invocation des âmes. Et pour appuyer son acte, la Bible dit qu'il invita son frère dans les champs. Et il le frappa. Caïn, le premier homme sur la terre, depuis le commencement du monde, à avoir fait sortir le sang humain. Pour la toute première fois, celui qui a fait qu'on a su que le sang de l'homme est rouge, celui qui a fait ça pour la toute première fois, c'était Caïn. L'âme de l'homme est dans le sang. Mais celui qui a fait sortir du corps de l'homme son âme pour la toute première fois, c'est Caïn. Caïn a frappé Abel. Il ne l'a pas empoisonné. Il ne l'a pas étouffé. Il ne l'a pas asphyxié. Mais il a frappé parce qu'il fallait que le sang coule. Il fallait que le sang coule. Caïn a frappé Abel pour que le sang coule. He beat Abel for the blood. Pourquoi il fallait que le sang coule? Why the blood has to be shed? Parce que Caïn avait un projet. Because Caïn le projet de Caïn, the project of c'était de construire une tour. Was to destroy. Voilà pourquoi après avoir tué Abel, that is why after killing la Bible Abel, a dit que Caïn construisit une ville. The Bible said that Caïn, le projet de Caïn, the project of Caïn, c'était de construire une ville. Was to build a city. Mais alors qu'on construire une maison sans fondation. Qu'est-ce que Caïn allait utiliser comme fondation? Les fondations, on les met où ça? Dans la terre. Quand Abel est mort, que Dieu a parlé à Caïn, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Il dit, j'entends la voix du sang de ton frère. De la terre qui a ouvert sa bouche. Donc l'intention de Caïn, c'était que le sang d'Abel aille faire les fondations de sa ville. The blood of Caïn to the donc la ville que Caïn devait bâtir, so the city that Caïn devait avoir comme fondation le sang de son frère. Must have as foundation the blood of his est-ce brother. Que les gens comprennent ce que j'enseigne? Do you understand what I'm teaching? Amen. Say amen. Dis amen. Say amen. Le premier maçon, the first builder, c'est Caïn. Was. Because listen.
Le premier maçon, c'est Caïn. Beaucoup de bâtiments que vous avez, so many blocks que vous voyez ici à Abidjan, that you see here in Abidjan, ne sont pas le fruit des salaires de ceux que vous connaissez. Est-ce que vous connaissez les fondements spirituels de ces bâtiments? Pour construire une ville, ce n'est pas le salaire. Pour construire une ville, Caïn n'a pas eu besoin de salaire. Caïn a eu besoin du sang de quelqu'un. La mort d'Abel était une mort rituelle. Was a ritual death. La mort d'Abel, the death of Abel, était un rituel de prospérité. Was a ritual of prosperity. Parce que Caïn avait fini par comprendre que Cain understood, nous vivons dans un monde in a world qui n'est pas simple. That is not simple. Il y a au-dessus de notre monde there is beyond des forces spirituelles, the spiritual strength, tellement puissantes, so powerful, que quand elles s'introduisent dans nos vies, that when they introduce, elles peuvent nous donner la capacité de construire une ville. Voilà pourquoi Caïn, il cherchait la clé pour ouvrir ce monde. Le premier qui a ouvert le monde, the first that opened the door, qui a ouvert le monde spirituel, the spiritual door, le premier qui a ouvert la porte du monde spirituel, the first that opened the door, the spiritual world, c'était pas Adam. Was not Adam. Parce que Adam ne montait pas vers Dieu. Because Adam was not, c'est Dieu qui a mené Adam vers lui. But God sent, et c'est Dieu lui-même qui venait vers Adam. Mais le premier qui a ouvert la porte au monde spirituel, but the first to open the door of the spiritual, le premier qui a ouvert la porte aux esprits, the first to open the door to the spirit, c'est Caïn. Was Cain. Parce que, because dans le principe et la loi de l'invocation, in this principle and the law, on invoque pas avec la parole, we don't inform with the word, on invoque avec le sang. We invocate with the blood. Caïn devait faire couler le sang. He had to shed the blood. Pour que des forces spirituelles sortent. For the spiritual strength to come out. Tant que le sang ne coulait pas, until the blood, ces forces ne pouvaient pas sortir. This strength could not come out. La clé de la porte éternelle, the key of the everlasting c'était door le sang d'un homme, was the blood of a man. Dites amen. Say amen. Je commence à parler maintenant de la sorcellerie. I'm starting talking about witchcraft. Remarquez bien. Listen. Ce n'est pas Caïn qui est parti dans le monde spirituel. Not Cain who went in the spiritual world. Caïn a ouvert la porte pour que le monde spirituel vienne vers lui. He just opened the door for the spiritual world. Voilà pourquoi tous les mystiques trouvent que les sorciers c'est des enfants. That is why all the parce que le mystique n'a pas besoin que le monde spirituel vienne vers lui. Because the mystic didn't want. Il va vers le monde spirituel. Goes to. Lui, il entre dans le monde spirituel. Enters into the spiritual alors world. Que la sorcellerie, that witchcraft, elle a besoin que les forces spirituelles viennent vers elle. Need a spiritual strength to come to me. Caïn ne s'est pas élevé dans les régions supérieures. And Cain didn't lift up. Mais Caïn a fait descendre des forces des régions supérieures sur la terre. But he made the spiritual region. Écoute bien ce que je vais te dire maintenant. Listen to what I'm saying. Quand il finit de tuer Abel, when he finished killing Abel, par jalousie, by jealousy, par hypocrisie, by hypocrisy, quand il finit de tuer Caïn Abel par haine, when he finished killing Abel by hatred, et que Dieu se montre à lui, and God show unto him, quand Dieu le sanctionne, quand Dieu lui dit, God blame him, où est ton frère? Where is your brother? Caïn va dire, Caïn says, suis-je le gardien de mon frère? Am I the keeper of my suis-je brother? Le gardien de mon frère? Am I the keeper of my brother? Et Dieu lui dit, j'entends la voix de ton frère, and God say that I hear the voice of your brother, de la terre qui a ouvert sa bouche, that come from the heart, pour recueillir son sang. To have his blood. Et il dit à Caïn, pourquoi ton visage es-tu abattu? And he said to Cain, si tu agis bien, if you act tu well, relèveras ta tête. God shall lift up your head. Alléluia. Alléluia. Mais un peu plus loin, ce qui m'intrigue. But further, what intrigued me? Je vais prêcher ce message à Kinshasa. I'm going to preach this message in parce Kinshasa. Parce que le thème de Kinshasa, because the theme of c'est Kinshasa la délivrance des terres, is the deliverance of the earth, des maisons, of the houses, et de l'ADN. And et qui parle d'ADN, and who talk about parle du sang, talk about the blood. Laissez-moi vous dire une chose. Let me tell you one thing. Avant d'aller un peu plus loin, before going further, le sang. The blood. Dans le sang, in the blood, il y a le disque de la plus grande capacité de toutes les de tous les disques du monde. There is the software, all the great capacity, all the software, all the dans world. Le sang,
in the blood. Il y a déjà le ton sang a déjà enregistré tous tes enfants, tes petits enfants, tes arrière petits enfants. Your blood already downloaded the blood of all your. Et dans ton sang. And in your blood. Il y a déjà l'enregistrement de ton père, ton grand père, ton arrière grand père, tous tes ancêtres. There is the recording of your great. On peut remonter jusqu'à tes ancêtres. Onto your ancestors. Juste à partir de ton sang. From your blood. Dites amen. Say amen. Je referme la parenthèse. Let me shut the bracket. Alléluia. Alléluia. Donc quand il fait couler le sang. So when he made the blood to shed. Et que Dieu vient le sanctionner. And God come to blame quand Dieu lui dit si tu agis bien, tu relèveras ta tête. When he say if you act well, you shall lift up your head. Dieu lui dit après. He said after. Je mettrai une marque sur Caïn. I shall put a mark on the flame. Je mettrai une marque sur Caïn. I shall put a mark on the flame. Pour que quiconque voit Caïn. Anybody that see Cain. Ne le tue pas. Ce verset-là ne vous semble pas bizarre? This verse seems strange. Alléluia. Alléluia. Moi particulièrement, il me semble bizarre. I particularly, I think it's strange. Dites amen. Say amen. Moi particulièrement, il est bizarre pour moi. I particularly, it is strange for me. Il est bizarre pour la plupart d'entre vous parce que quand il vient de tuer quelqu'un, it is strange for many of et Dieu doit laisser qu'on le tue. Can't slay someone. Parce que c'est la loi de la causalité. Because this is the il a tué, il faut qu'il meure. Killed, il faut que lui aussi killed. Il soit tué. He has to be killed also. C'est œil pour œil, dent pour dent. This is eye for eye. Dites amen. Say amen. Mais moi, c'est pas pour ça que le verset me semble bizarre. But is it not for that that this verse is strange? Ce qui me semble bizarre. What makes it strange? C'est que Dieu parle à Caïn comme si au moment où il parle à Caïn. As God speaks unto Cain, as if at the moment il y a une grande population sur la terre. There is a great population on the earth. Voilà le problème. Behold the problem. Dieu parle à Caïn comme si à l'instant où il est en train de parler à Caïn. As if he was talking to il y a him, beaucoup de personnes sur la terre. There are many people on the earth. Dieu parle à Caïn et au moment où il parle à Caïn, at the moment he spoke to him, il n'y a que trois personnes sur la terre. Just only three people. Il n'y a que le père de Caïn, the father, la mère de Caïn, the father, et Caïn lui-même. And Cain himself. Maintenant, pourquoi Dieu sachant qu'il reste, il reste deux personnes à Caïn? But why did God know that? Mais God il dit quand même à Caïn, je mettrai sur Caïn une marque, I shall put on him a mark, pour que quiconque voit Caïn ne le tue pas. For anybody so it not et quiconque say, question, c'est qui? Who? C'est qui? Who? Parce que ce n'est pas Adam. Not Eve. C'est pas Ève. Not Eve. Mais quand Dieu dit, je mettrai une marque sur Caïn, but when God says, I put a mark à part Caïn, à part Abel, il n'y avait personne d'autre sur la apart terre. From Cain, Abel, Abel est mort. And after, maintenant Dieu dit que je mettrai une marque sur Caïn pour que quiconque rencontre Caïn ne le tue pas. And God said I shall put a mark for anybody to see, not slay. Mais qui va rencontrer Caïn? For who shall he come today? Qui? Who? Caïn, il va se promener. Il va pas se promener. He shall wander. Personne ne va le rencontrer. But no one shall encounter him. Pourtant Dieu a dit quiconque rencontre Caïn. But God said whoever encounter him. Vous savez pourquoi? You know why? Parce que Caïn venait de faire une invocation. Because he just invoked. Faire couler le sang to make the blood to shed. A ouvert le monde spirituel. Open the spiritual world. Alors qu'il n'y a pas d'invocation sans raison. But there is no invocation. Quand vous invoquez des esprits, when you invoke spirits, vous devez leur dire la raison pour laquelle vous les invoquez. You must tell them. Sinon, ils peuvent prendre votre vie. But they can take your life. C'est ce que Dieu a vu. Only what God see. Et Dieu a dit, si je laisse Caïn comme ça, and he said, if les esprits qui sont sortis du monde spirituel, ils vont le tuer. Shall kill him. Donc pour sauver la vie de Caïn, so to save Cain's life, je vais mettre une marque sur Caïn. I shall put a mark on Cain. Pour que Caïn ne soit pas vu comme un homme. For Cain not to be seen as a man. Mais qu'il soit vu comme un esprit. But the spirit. Parce que les esprits ne tuent pas les esprits. Because the spirit don't kill spirits. Voilà pourquoi au jour de la Pâque en Égypte, that is why the day of the Dieu a mis une marque sur la porte des enfants d'Israël. Put a mark on the door of the children of Israel. Pour que quand l'esprit de mort vienne dans les maisons des enfants d'Israël, ils ne voient pas d'hommes, mais ils voient des esprits. They don't see men. Et comme les esprits ne tuent pas les esprits, voilà pourquoi l'ange de la mort n'a touché aucun des enfants d'Israël. Dis amen. Say amen. Parce que je parle à quelqu'un. Je suis... I'm talking to someone to si comprendre le message. Parlons du monde spirituel. We are talking about spiritual world. C'est
ces jours-ci, mon père spirituel a enseigné sur le monde spirituel. In this day, my godfather talked about it. J'ai écouté son message, j'ai été très béni. I listened to his message, I was very blessed. Alléluia. Alléluia. Écoutez maintenant. Listen now. Donc Dieu met la marque sur Caïn. So God put the mark on Cain. Caïn n'est plus perçu dans le monde spirituel comme un humain. Cain was no more seen in the spiritual world as a human. Mais il est perçu dans le monde spirituel comme un esprit. But he was seen as a spirit. Et le quiconque dont il est question dans Genèse. And the anybody ne concernait pas les hommes. Didn't talk about parce qu'il n'y avait pas d'homme. Because there were no men. Le quiconque en question concernait les esprits qui étaient sortis du monde spirituel. The anybody was about the spirit. Ces esprits pouvaient ôter la vie à Caïn. Voilà pourquoi il y a des gens qui sont devenus fous. Some people become mad. Ils sont allés voir des marabouts. They went to see the marabouts. Et le marabout a invoqué un esprit. And the marabout called upon the quand l'esprit est sorti, ils ont eu peur, ils ont fui. Come out, ils n'ont pas eu le temps de dire la raison pour laquelle cet esprit a été invoqué. They didn't have time to tell about on n'invoque pas un esprit sans raison. We don't call about the spirit without soit ils vous rendent fous, mais soit ils vous tuent. They make you mad or they kill. C'est ce que Dieu a évité à Caïn. That is why God avoided to Cain. Dites amen. Say amen. Donc Dieu met donc une marque sur Caïn. So when God put a mark on Cain, mais la marque que Dieu met sur Caïn, but the mark he put on Cain, a transformé Caïn en un esprit. Transformed Cain into alors que Caïn a été la porte par laquelle la sorcellerie est entrée. But it was the door through which witchcraft came. Je suis dans l'introduction de mon message. I'm in the introduction of my message. Écoutez encore. Listen again. Quand Caïn finit de faire ce qu'il a à faire, when Cain finished what he has to do, il bâtit une ville. Et il donne à cette ville le nom de son fils. And he gave the city the name of his son. L'intention de Caïn, so Cain's intention, c'était de bâtir une ville. Was to build a city. Il a tué son frère. He killed his brother. Parce qu'il voulait bâtir une ville. Because he wanted to build a city. Il a tué son frère. He killed his brother. Parce qu'il voulait bâtir un clan. Because he wanted to build il a tué son frère. He killed his brother. Parce que le sang de son frère devrait le rendre puissant. Because the blood of his brother had to dans le royaume de la sorcellerie. In the reign of quand quelqu'un fait couler le sang, when someone shed blood, chaque personne dont il fait couler le sang augmente sa each puissance. Person increases his power. Chaque personne dont il fait couler le sang augmente ses capacités. Each person that he made the blood to be shed, chaque personne dont il fait couler le sang augmente la puissance de ce sorcier. Increase the power of his wish, of his mais les sorciers n'atteignent pas vos filles. But they don't reach your life. Parce qu'ils sont trop puissants. Because they are so ils atteignent vos filles. They reach your life. En utilisant des portes. By using doors. Et ces portes-là se trouvent chez vous. And these doors are in voilà your pourquoi house. Dans l'introduction de mon introduction, je vous ai dit que Judas fut trouvé favorable. That is why in my introduction, of my introduction, dites amen. You make it to be favorable. Dites amen. Say amen. Dites amen. Say amen. La première porte. The first door. Qui ouvre. That opens. La première porte de la sorcellerie. The first door is witchcraft. Mais si vous voulez la première porte qui donne accès aux sorciers. That give access to witch. Dans vos vies. In your lives. C'est la colère. Is anger. C'est la colère. It is anger. La colère. Anger. La colère, pardon. Anger. Est une très grande porte. Is a great door. Très très grande porte. Very great door. Il y a beaucoup d'entre vous. Many of you. Qui ont vu leur vie et leurs affaires échouer. I've seen life and the business parce qu'ils s'emportent n'importe comment. Because they behave anyhow. Pour toi, c'est un caractère naturel. For you, it is natural. Pour toi, tu as un fort caractère. You have a rough character. Mais la colère. But anger est la porte que la sorcellerie utilise le plus. Is the door that witchcraft uses pour frapper dans ta destinée. To spoil your destiny. Beaucoup de gens. Many people ont perdu beaucoup de grâce, lost many graces, perdu beaucoup de bénédictions, lost many blessings, simplement simply, parce qu'ils sont été extrêmement en colère. Because they were extremely in anger. Dis amen. Say amen. A-t-on pas dit que la colère est la mère de la bêtise? Didn't we say that anger is the mother of foolishness? Parce que la colère vous fait pécher, c'est ce que vous savez pas. It make you to sin. This is what et chaque fois que vous péchez, and each time you sin, il s'ouvre des portes dans votre être intérieur. Doors are open in your inner side et dans votre cœur. And in your heart. Voilà pourquoi la Bible dit. That is why the Bible la says. La chose sur laquelle vous devez veiller le plus. The thing upon which you have to watch out. Cœur. Is your heart. La Bible n'a-t-elle pas dit veillez sur votre cœur plus que toute autre chose? Say, watch out your heart more car than c'est de là que proviennent les sources de la vie. Because where from the sources of life. Dites amen. Say
Amen. Et un homme qui n'a pas la maîtrise de soi. Une femme qui n'a pas la maîtrise de soi. Ouvre une très grande porte à la sorcellerie. Dites Amen. Say Amen. Vendredi prochain, je reviendrai sur la porte de la foi. La deuxième porte. C'est la peur. Is fear. La peur. Fear. Regarde ton voisin, dis-lui la peur. Look at your brother and say fear. Dis-lui la peur. Say fear. Regarde ton voisin, dis-lui la peur. Look at your neighbor and say fear. La peur. Fear. Alléluia. 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 Il y a un mot qui n'existait pas dans le schéma et dans le récit de la création. There was a word that didn't exist in the scheme. Quand la Bible parle d'Adam et Ève et que la Bible nous dit que les deux étaient nus. When the Bible talks about Adam and Eve, the Bible says that they were naked. Les deux étaient nus et les deux n'en avaient pas honte. Both were naked and were not ashamed. La honte, the shame, c'est ce dont il est question. Is what is question here. Mais quand Adam et Ève ont péché, but when Adam and Eve sinned, ils n'ont pas eu honte. But didn't, but when ils ont eu peur. Shame, Dieu est venu dans le jardin. But when God came onto the garden, Adam a dit à Dieu. And Adam said to God, j'ai entendu ta voix. I heard your voice. J'ai eu peur car je suis nu. Je I suis nu. Fear because I'm naked. Est-ce que être nu donne d'avoir peur? Being naked can bring to be non, quand tu es nu, tu as honte, tu n'as pas peur. When you are naked, you are ashamed. Mais you Adam lui, il a eu peur parce but qu'il est nu. Adam feared because he was naked. C'était pas la peur en tant que telle. Not fear, c'était une porte. But it was a door. Voilà pourquoi pour couvrir, pour fermer cette porte. That is why to cover. C'est Dieu qui leur a fait des vêtements. That God made clothes. Pourtant, avant que Dieu leur fasse des vêtements, but before God making clothes, eux-mêmes ils s'en étaient fait. They made themselves. Mais pourquoi le vêtement n'a pas caché leur nudité? But why the cloth didn't hide the nudity? Parce que c'était pas la honte. Because it was not c'était shame. La peur. It was fear. La nudité était censée la honte. Nakedness, mais au lieu de créer la honte, elle a créé la peur. Shame, but donc Dieu n'a pas vu ça comme une nudité ordinaire. But God didn't see it as an Dieu a vu ça comme une porte d'entrée. But like a door. Voilà pourquoi Dieu a fermé la porte. That is why he closed the door. Beaucoup d'entre vous many of you sont troublés, are troubled, perturbés. Perturbed. Beaucoup d'entre vous many of you sont agités, are moved, stressés la nuit. Ils ne dorment pas they don't sleep. Simplement simply parce que la sorcellerie utilise because la porte de la peur. Witchcraft uses the door of fear. Il y a trois types de peur. Three types of fear. La peur, the fear, c'est d'abord le sentiment qu'un homme a. Is first the feeling that a man quand has il est en présence d'un danger. When in presence of danger. La peur, fear, c'est la perte d'inquiétude, de paix et de sérénité. The loss of serenity. Voilà la définition de la peur. This is the definition of fear. Il y a trois types de peur. There are three types of fear. Il y a la peur émotionnelle. The emotional fear. C'est le type de peur. It's the type of fear qui arrive à beaucoup d'entre nous. That comes to many of you. Parce que c'est le premier niveau de peur. Because it is the first level of fear. Il y a des gens qui sont naturellement très peureux. Some people are naturally afraid. Ils ont peur de tout. They are afraid of everything. Ils ont la phobie de tout. The phobia of everything. Ils ont peur de tout. They fear tous les effrayants. Everything fear them. Un faux film à la télé, un faux film. A bad movie on the TV. Faux série, telenovelas là. All il n'y a rien d'horrifiant là-dedans. Nothing that is horrifying. Mais dès qu'il y a une scène où le gars a sorti un revolver, oh, il va la tuer, il va la tuer. Elles ont peur comme si elles sont dans la série. Because they fear. Il y a des gens comme ça qui ont peur. Some people fear. C'est un gros problème. It is a great problem. Et c'est cette porte que la sorcellerie utilise pour vous accaper. And this is the door that witchcraft uses. Il y a des gens que je connais. And some people I know. Que je connais très bien. That I know very well. Qui sont morts. That dies. Mais avant leur mort. But before the death. La porte que les sorciers utilisaient c'était la peur. The door that the witch used. Ils ont fait un rêve terrible. A terrible dream. Un cauchemar. They had a nightmare. Et se sont réveillés en sursaut. Depuis qu'ils se sont réveillés en sursaut, ils ne se sont plus jamais bien sentis. Jusqu'à leur mort. Parce qu'ils ont voulu les effrayer. Et ça a marché. Il y a des gens qui, à cause de la peur, ne peuvent pas dormir seuls dans une pièce. Some people, because of fear, cannot sleep alone. C'est une porte de la sorcellerie. This door of witchcraft. Dis Amen. Say Amen. Dis
Amen. Say amen. Le deuxième niveau de peur, the second level of fear, c'est la peur de ne pas réussir dans le futur. The fear of not to be able to succeed. Il y a des gens qui sont effrayés, qui ont peur, they fear, et ils sont là pour rien. And they are there for il n'y a aucun danger. There is no danger. Il n'y a aucune situation qui puisse les mettre en danger. No situation that can trouble them. À cause du fait qu'ils pensent à son futur, ils commencent à avoir des palpitations. Ils commencent à avoir peur. C'est le genre de situation que la sorcellerie utilise pour frapper dans vos vies. Dites amen. Dites amen. Say amen. Alléluia. 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 Et le plus haut niveau de la peur. And the highest level of fear. Le plus haut niveau de la peur. The highest level of fear. C'est la peur extrême. Is the extreme fear. Dis amen. Say amen. La peur extrême. And this extreme fear. C'est la peur. Is the fear. Que les sorciers utilisent le plus souvent. That witches use more very often. Parce que la peur extrême crée des hallucinations. Because it creates hallucinations. Alors que les hallucinations créent la superstition. But hallucination creates superstition. La superstition est une porte d'accès très sûre pour le monde des esprits. It is a sure door for the world spirits. Dis amen. Say amen. Il y a des gens qui ont très, ils ont tellement peur. Some people are so frightened. Ils se mirent. Il est en train de se murer. When they look at themselves in the mirror, mais la peur va faire qu'il va voir quelqu'un passer en flèche dans son dos. That the fear make them to see someone passing by themselves. Est-ce que c'est faux ce que je suis en train de dire? Is it false? Est-ce que c'est faux? Is it false? Pourtant il est seul dans la maison. But he is alone in the house. Vous êtes seul. You are alone. Mais la peur fait que vous sentez des présences n'importe comment. But the fear make you to feel presence in c'est the house. Comme un jour. Like once, j'étais allé jeûner chez l'une de mes filles qui vit seule. I went to fast with one of my daughters that live alone. Elle a quitté le travail. And she came from the work place. Elle est entrée dans sa maison. She entered in her house. Quand j'étais couché, and I was lying down. Film, I was watching an evil film. Dès qu'elle a ouvert la porte, and when she opened the door, elle dit papa. She said papa. Tu ne sens rien. Don't you feel anything? I told her it was the Holy Spirit. She said no. Papa, tu sens pas les présences. Mama, don't you feel it? Parce que ce genre de peur là, because this kind of fear, te fait voir des démons là où il n'y en a pas. Make you to see demons where they are not. Alléluia. Alléluia. Dites amen. Say amen. Alors que ce que vous ne savez pas, but what you don't know, la puissance de la pensée peut appeler la présence d'un esprit. The mighty or the thought. Voilà pourquoi John dit. That is what John said. C'est ce que je pense. It is what I think. C'est ce qui m'arrive. That happened to me. Et donc quand vous êtes dans cet environnement. So when you are in this environment. Et que vous pensez qu'il y a forcément une présence. And you think that there is absolutely même s'il n'y en avait pas. There were not. Il y a un démon qui va venir faire avérer ce que vous avez pensé. A demon will come make it true. La peur. Fear. C'est une grande porte. It's a great door. Dites amen. Say amen. Dites amen. Say amen. Je suis encore dans l'introduction. Ce sont les fenêtres que je suis en train d'ouvrir. Just alléluia. Windows I'm opening. Après je vais parler des invocations d'âme. And after I'm talking about comment un sorcier arrive à t'invoquer pendant que tu dors. How can witches invoke je vais parler des initiations. I talk about initiations. Je parle même d'initiation. Laissez-moi vous dire. Let me tell you. Ce ne sont pas tous les rêves où vous mangez quand vous initiez à la sorcellerie. Not all the dreams that you eat that you alléluia. Are moi un jour j'ai fait un rêve au moment où le président Donald Trump était au pouvoir. Once he had a dream when the Donald Trump was in power. Où le monde était à table, on mangeait des KFC. We were eating KFC. Vous voulez me dire qu'il m'a initié à la sorcellerie? Do you think that initiated me? Mais c'est moi qui l'ai initié, qu'il a initié à la sorcellerie. Alléluia. Alléluia. Si c'est la sorcellerie, j'aime ce genre d'initiation. If witchcraft, I like this kind of initiation. Je vais me retrouver pour y aller. Si
c'est la sorcellerie, j'ai lui demandé est-ce que ses ministres seront là à la prochaine réunion. I will ask him if his minister will be around. Ce ne sont pas tous les rêves que vous mangez que c'est la sorcellerie. Not all your dreams when you eat that is witchcraft. Par contre, il y a des rêves dans lesquels quand vous mangez la viande. But some dreams that you eat meat is witchcraft. Alléluia. Alléluia. Dites amen. Say amen. C'est le moyen le plus courant donné à manger. It is a common means to give food. Parce que manger. Because eating. Manger. Eating. Est le moyen par lequel on initie. Is the means for which we initiate. Voilà pourquoi pour que les enfants d'Israël soient initiés. That is why for the children of Israel. Ils devaient manger la Pâque. They had to eat the Passover. Et c'était humain. And it was the bread. Quand un homme mange la chair et il boit le sang, a man eat the flesh and drink the blood, il devient un être spirituel. He becomes a spiritual man. Donc quand les enfants d'Israël ont mangé la chair, ils ont bu le vin. So when they, ils sont devenus des hommes spirituels. The children of Israel eat. C'est pourquoi l'ange les a vus comme des esprits. That is why the angels saw them as spirits. Say amen. Et ça c'est le moyen le plus courant. This is the current means. Mais l'un des moyens que le diable utilise aujourd'hui. But one of the means that the devil used to. Pour transférer la sorcellerie aux gens. To impact. Vous savez c'est quoi? You know what it is? C'est la sexualité. It is sexuality. La sexualité. Sexuality. Il y a des gens qu'on a initiés à la sorcellerie par la sexualité. Some people were initiated by sexuality. Il y a des femmes à qui on a donné la sorcellerie par la sexualité. Some women were given witchcraft. Il y a des hommes qui ont reçu sexuality. Des blocages dans leur vie par la sexualité. Men receive underfall in the life because of. Parce que comme je vous ai enseigné ici vendredi dernier. Because I taught you last Friday. Quand un homme et une femme couchent ensemble. When a man and a woman have sex. Qu'est-ce qui se produit? What happened? Qu'est-ce qui se produit? What happened? Il y a un seau. There is a seal. Qui s'ouvre. That is open. Et ce seau-là est connecté à une à deux portes. And this seal is connected to une two porte doors. Éternelle. An everlasting door. Et une porte de transition. And a transition door. La porte éternelle. The everlasting door. Et la porte par laquelle les esprits peuvent venir. The door through which the spirit la porte de transition and the transitory c'est la porte par laquelle un humain peut venir dans notre monde. It is the door through which je parle d'humain, je parle de bébé. When I'm talking about the human, I talk dites about the amen. Say amen. Dites amen. Say amen. Donc, il y a des sous-vertus spirituelles. So there are spiritual openings. Mais le son en question n'est pas un son physique. But this zeal is not physical. C'est un son spirituel. It is spiritual. Mais le son là. But this zeal, il est juste en dessous de votre nombril. It's just below est-ce your que je peux enseigner street? Des choses compliquées ici? Is it complicated? Vous êtes... Alléluia. Alléluia. Fermez la parenthèse. Let's close the bracket. Dans d'autres circonstances. In other circumstances. Parce qu'il y a des bébés qui vont écouter, qui vont rien comprendre. Because some babies will not understand anything. Des bêtises dehors, and moi. They go and tell foolishness about me. Alléluia. Alléluia. Pour la toute première fois quand il est puceau. That is why when a man is virgin. Et que son érection dure sans avoir de rapport. And his erection is delayed without any sexual contact. Il a mal. Il a mal. Parce que le seau est en train de se démettre en fait. Because this zeal. Le seau est juste au niveau de votre ventre. It's just above your nostril. Les femmes séparées. And the women also. Alléluia. Alléluia. Je fais ma parenthèse. Let's share the progress. Donc la sexualité. So sexuality. Est un moyen par lequel on a donné des esprits de sorcellerie. Is a means through which they give. Et dans la sorcellerie, il y a l'esprit de sorcellerie. There is the spirit of witchcraft. Et il y a l'esprit humain de sorcellerie. And the human spirit of witchcraft. Parce que la sorcellerie. Because witchcraft. Quand elle atteint un certain niveau. When it reaches. Elle devient un héritage. Become an inheritance. Donc elle se transmet de génération en génération. So it is transmitted from generation to generation. Il y a des familles dans lesquelles la sorcellerie ne pourra jamais finir. Some family where witchcraft can never finish. Tant qu'il y a des portes. Until there are doors. Tant qu'il y a des gens. Until there are people. Favorables à cet esprit. Favorable to the spirit. La sorcellerie finira pas. It shall not end. Voilà pourquoi en Europe. That is why in Europe. Ils ont vite compris le principe. They understood this principle. Ils ont commencé, ils ont fait. La chasse they chase aux sorcières. The witches. Dès que tu pratiques la sorcellerie. People who practice. On te tue, on prie pas. They kill him, they don't pray. On te tue. They kill him. Ils ont commencé à tuer toutes les personnes susceptibles.
They started killing all those who are favorable to the spirit of witchcraft. Parce que l'esprit de sorcellerie, because the spirit of witchcraft s'accorde toujours avec un esprit humain. It always agree with the human spirit of witchcraft. Quand les deux se mettent ensemble, when both agree, ça fait d'un homme ou d'une femme un sorcier ou une sorcière. It makes a man or the woman a witch or a wizard. Alléluia. Tout ça a lieu dans un périmètre. But all this take place dans un périmètre. In just a space. Dans un secret. In just a secret. Un secret absolu. An absolute secret. De la spiritualité. Of spirituality. Qui a dit amen? Who has said amen? Qui a dit amen? Who has said amen? Qui a dit amen? Who has said amen? La sorcellerie. Witchcraft. C'est un monde de rituels. It is a world of ritual. Et la sorcellerie. Witchcraft, c'est un monde qui a pour base et fondement la méchanceté très foncière. A word of that busy is a wickedness. Je viens de très mal m'exprimer. Mais ça vaut la peine. But it's worth it. J'ai dit très foncière. I said very sharp. Foncière, c'est déjà très. Sharp is very. Alléluia. Alléluia. Mais c'est pour dire. But when we say, c'est la méchanceté gratuite. It is free wickedness. Une jeune dame m'a demandé un jour. A young lady was asking. Tu veux donner une révélation? Je dis, je vois quelqu'un qui est en train de. I tell her that I see someone making death. Pourquoi? Qu'est-ce que je lui ai fait? And I say, why? What did I do for him? Laissez-moi vous dire une chose. Let me tell you something. Si il y a une raison pour laquelle un sorcier vous attaque, ce n'est pas un sorcier. If it is a reason for which la I attack you, it is not a witch. C'est faire du mal gratuitement. Witchcraft is raison. Making earth without any reason. La sorcellerie. Witchcraft. C'est en vouloir à quelqu'un pour rien. He is wanting someone. Il ne vous a rien fait. Nothing. En fait, voilà la définition vraie, la définition pratique de la sorcellerie. This is the practical, the real definition of rien witchcraft. Comme ça. For nothing. Elle n'aime pas ta tête. She doesn't love your head. Elle veut faire tout. She wants to be all. Pour que tu sois malheureux. For you to be unhappy. C'est ça la sorcellerie. This is witchcraft. Et pour ça. And for that. Les sorciers travaillent avec le sang. Witches work with blood. Ils travaillent beaucoup avec le sang. They work. Ils travaillent beaucoup avec le sang. They work more with blood. Écoute-moi très bien. Listen to me carefully. Voilà pourquoi. That is why. C'est dangereux. It is dangerous. D'enlever un vêtement que vous avez déjà porté. To take off a cloth. De le donner à quelqu'un dont vous ne maîtrisez pas les intentions. To give it to someone that you don't master his intentions. J'ai vu des gens. I've seen some j'ai people. Vu. I've seen it. J'en ai pas entendu parler. I didn't heard about j'ai it. J'ai vu des gens. I've seen some people. Qui ont ruiné leur vie. Who spoiled life. Juste à cause d'un sous-vêtement. Just because of underwear. Je te parle de quelque chose que j'ai vu. I'm talking about something that I've seen. Il a enlevé sa chemise. He took off his pour clothes. Son frère qu'il aimait. His shirt for his brother that he loved. Son frère était quitté à Soubré. He went from Soubré. Il a donné sa chemise. And he gave him his shirt. Ce que vous ne savez pas. What you don't know. Dans la chemise. In the shirt. Il y a votre odeur. There is your et votre smell. Odeur vient de votre sueur. And your smell comes from your sweat. Votre sueur vient de votre sang. And your sweat comes from dans your blood. Dans votre sang, il y a votre âme. And in the blood, there is your soul. Déjà, le sorcier est en contact avec votre âme. And the witch is in contact with your soul. Le point de contact est encore plus sûr. And this contact is sure. Il n'a même pas besoin de votre nom. He doesn't need your name. Il n'a pas besoin de votre photo. He doesn't need your picture. Il a juste votre personne devant lui. He has just your person. Il a juste votre être intérieur devant he lui. He has just your inner side. Voilà pourquoi c'est dangereux. That is why it is dangerous. De vendre ce que tu as déjà porté. To sell what you have already worn. Vendre même est encore plus dangereux que donner. Selling even is more dangerous than giving. Est-ce que je parle à quelqu'un? I'm talking to someone tonight. Beaucoup d'entre vous. And many of you ont été atteints. Rich par le vêtement. By the clothes. La vie n'avance pas. And your life doesn't parce qu'il y a quelqu'un dans ton environnement qui a pris ton vêtement. Because someone in our environment. La vie de Joseph a commencé à avoir des problèmes quand on a pris son vêtement. And the life of Joseph. Chaque fois qu'on prenait le vêtement de Joseph, sa situation s'empirait. Each time they took his la clothes. La première fois qu'on a pris son vêtement, ils l'ont gêné, l'ont vendu comme esclave. Then throwing his arrivé chez Potiphar, Dieu lui a fait grâce. To Potiphar, God gave him the grace. Arrivé chez Potiphar, Dieu lui a fait grâce. He gave him the grace. La Bible dit qu'il était le chef de tous les employés de la maison de Potiphar. The Bible said that he was the chief of all il était à l'aise. He was at ease. Mais le jour que la femme de Potiphar a pris son vêtement, the day she took a il s'est retrouvé en prison. He was bound in il y a prison. Des gens, quand ils sont entrés en contact avec vos vêtements, some people, when they were in ça va commencer à avoir des problèmes. Your life il y a des gens que vous avez hébergés chez vous. Some people that you have quand ils ont quitté la maison, il y a certains de vos vêtements qui ont disparu. And they took your
your clothes? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec ces vêtements? What did they do with it? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec ces vêtements? What did they do with it? Les sorciers. Witches. La sorcellerie. Witchcraft. Je n'ai même pas encore commencé à prêcher. I've not yet started preaching. C'est des balises que je pousse. These are crowns. Après, je vais m'appuyer dessus pour commencer à expliquer des choses. To explain things. Comment les sorciers arrivent à sortir de leur corps? How witches try to come out from their corpse? Ils utilisent deux choses. They use two things. Les astres. They use astres. Et ils utilisent une chose principale qu'on appelle le cordon d'argent. And a principal thing that we call the seal. Le cordon d'argent. That we call the cordon of his seal. Il est dit qu'il est dans le nombril. It is said that it is in the nostril. Alléluia. Alléluia. Et le son de la porte est où ça? And the seal est sous le nombril. Of the door is under the nostril. L'homme que vous voyez là, l'homme est bizarre. La constitution spirituelle de l'homme est trop bizarre. The spiritual constitution of the man is La configuration strange. De l'homme est très bizarre. The configuration of man is very strange. Alléluia. Alléluia. Dites amen. Say amen. Ils arrivent à sortir de leur corps. And they will come out from the corpse. Avec ces deux dimensions. With the two dimensions. Alléluia. Alléluia. Je vais m'arrêter là ce soir. And I'm going to stop there. Prochain, next Friday, we're going to continue. Qui a été béni ce soir? Who was blessed tonight? Qui a aimé l'enseignement de ce soir? Who loved the teaching of tonight? À partir d'aujourd'hui, from today, ne donne plus tes vêtements à qui que ce soit. Never give your clothes to si tu veux out. Donner un vêtement, if you want to give a clothes, il faut prier pour détruire tous les points de contact. Il faut aspécher ton vêtement du sang de Jésus. Parce que la Bible dit qu'ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Voilà pourquoi ce soir je me tiens dans le sang de l'agneau pour parler maintenant que tous les esprits, que tous les esprits de sorcellerie pour parler à tous les esprits de sorcellerie qui ont utilisé ton vêtement comme point de contact pour pouvoir t'atteindre. Tous les esprits de sorcellerie qui ont utilisé ta sueur comme point de contact pour pouvoir t'atteindre, je prie ce soir que tous les points de contact sont brouillés au nom de Jésus. Tous les points de contact sont détruits au nom de Jésus. Ce qui faisait que cela remontait à toi est brisé au nom de Jésus. Commence à battre les mains, commence à briser tous les points de contact ce soir. Commence à prier, commence à prier. Détruis les œuvres de la sorcellerie, pas la même prix. Ragata gada la gada la ragra santa papa 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 papa. Commence à prier, commence à prier. Shakatana la bra. La bra zagada reketene la bra gada bada la kete peda baba bako santa. La bra gada bako sabra tibitine la bra. Thank you.
Jésus dit amen plus fort. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, mes bien sûr. Votre culte dit pratiquement à sa fin. Madame, viens. Derrière toi, sur laquelle j'ai écrit B-E-H-I-N. C'est où? C'est un lieu. Hein? Quoi? B-E-H-I-N.
Dieu. Tu ne vois pas de ma Dieu. D'accord. Je vois une vision dans laquelle tout ce qui vous arrive, c'est comme quelqu'un a pris votre chemise. C'était une chemise paille. La chemise paille, un motif qui sont dans son un peu orange comme ça. La personne a pris la chemise et la personne a travaillé ça pour que vos finances soient bloquées. C'est un homme. C'est Baï. Qui est Lydie? D'accord. Grâce au savoir. Bien. La fille là. Les gens viennent la nuit pour lui donner la sorcellerie. C'est ce qui est en train de fatiguer ses yeux. Elle voit des choses compliquées quand elle dort. Et on veut capter ses yeux. On veut capter ses yeux. Il faut l'emmener dans le temps de prière. Pour qu'on prie pour elle. C'est ce qui est en train d'agir sur ses études. C'est sorcellerie. Et ils ont tenté, ils ont commencé par lui donner à manger en rêve. Tu comprends ça? Il faut l'amener dans un temps de prière. Compris pour elle, pour sa délivrance. Elle doit prendre la chemise. Soit couverte afin que toute initiation à la sorcellerie soit neutralisée. Il faut prier pour elle comme si c'était ta fille qu'on voulait initier. La Bible dit que celui qui arrose sera également arrosé. Prions le Seigneur. Thank you.
dis amen. C'est ce que le Seigneur vient de me donner comme instruction. Chacun vient avec un vêtement, ça peut être un t-shirt, quelque chose que vous avez déjà porté. Mettez ça dans un petit sachet, dans votre sac. Venez avec. Nous allons utiliser ça pour comme point de contact pour détruire les semis de la sorcellerie. Alléluia. Vendredi prochain. Que Dieu nous bénisse. Tenez-vous tous debout, nous allons apporter à Dieu nos offrandes. Présidence Yaba, acclamons le Seigneur pour ce monsieur. Alléluia. C'est un monsieur que j'aime beaucoup, qui est bien, qui aime l'œuvre de Dieu. C'est un monsieur qui me fait énormément de bien également. Voilà. Que Dieu te bénisse. Tenez-vous tous debout, nous allons apporter à Dieu. Nous allons commencer par l'arranger qui est à droite. Je serai avec mon frère, mon jumeau, qui est en jeûne en ce moment. Il finit samedi. Alléluia. Il finit demain. Donc vendredi prochain, il sera avec nous. Je tiens également à vous annoncer que dimanche, nous avons un très grand message. Le thème du message, le thème de dimanche prochain, c'est un thème qui va parler de l'actualité, de la pandémie en ce moment. On va parler de la fin des temps. Le thème, c'est Dan jugera les nations. Parler un peu eschatologie, alléluia, parler des choses très 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 spéciales. Dan jugera les nations. Dieu vous bénisse. Qui a été béni ce soir? Seigneur, merci pour cette bonne soirée, merci pour tout ce qui a été dit et merci pour toutes ces bonnes paroles. Merci pour la profondeur des Saintes Écritures. Bénis ton peuple, bénis cette assemblée et bénis chacun de nous. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.
Salut ton frère, salut ta soeur et salut l'homme de Dieu.